Thank you.
Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même.
mon Jésus. Il faut l'être sous notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Moi, je suis très heureux ce matin. En tant qu'ange de la maison, je devrais le faire comme ça pour inviter l'homme de Dieu. Vous savez, c'est une grâce pour nous, une grâce pour les Congos, une grâce pour le monde. Amen. 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 Mike Kalamba, ce n'est pas parmi les gens qui se sont convertis. Mais ça va être comme l'église. Il y a Zalata et Kubongo la montée, mais tu vois, Bandi Bondi Melaye, Tsunani Ayemso, Yamba Tata Yamba Mwa. Donc ce sont des gens qui ont été chauffés par Mbunda. Amen. Il y a Zalata. Amen. Donc, il y a Zalata et Kubongo, mais Zalata. Pour Zalata, il y a Kubongo, mais Zalata. Pour Zalata, il y a Kawana déjà. Amen. Donc ce sont des gens pour nous qui nous donnent. Amen. Homme de Dieu, nous sommes vraiment. Dans la joie de vous savoir au milieu de nous, parce que vous êtes un exemple pour beaucoup. Vous savez, je une chose bien aimée dans le Seigneur, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 9. Voir une personne déterminée comme ça en train de suivre le Seigneur partout, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. La Bible dit ceci: ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Amen. C'est parmi les gens qui ont entendu la voix. Parce que si tu n'as pas entendu la voix du Seigneur, c'est difficile de rester déterminé et de l'esprit partout. Amen. Mais Kalamba, c'est parmi les gens qui ont entendu la voix. On peut remarquer que celui-ci a entendu la voix lorsqu'il y a des tourments dans sa vie. Tu n'as pas dit amen. Amen. Toi, tu n'as pas dit amen. Amen. Parce que c'est dans le tourbillon que quelqu'un peut dire non, que quelqu'un peut abandonner. Mais quand quelqu'un est terminé comme Paul, au point de livrer, d'accepter la mort, il disait qu'il était, comme je partais à Damas, une grande lumière vient vers moi. J'ai tombé devant le Seigneur. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix. Il y a des gens qui voient la lumière, mais qui n'entendent pas la voix de la lumière. Il y a ceux-là qui voient et la lumière et qui entendent la voix. C'est ça le problème dans le christianisme. Qui a vu la lumière, est-ce que tu avais entendu la voix? Paul dit, ils virent la lumière, ceux qui étaient avec moi, mais ils n'entendirent pas la voix. Si tu vois quelqu'un déterminé, c'est qu'il a vu la lumière et il a au même moment entendu la voix. Je viens dire à une personne, si tu vois quelqu'un déterminé la nuit, les jours, pour suivre le Seigneur partout, c'est que celui-ci n'a pas seulement vu la lumière, mais il a aussi entendu la voix. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'attends quelqu'un à dire gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous invitons, celui qui a vu la lumière et entendu la voix, au nom de notre bien-aimé Mike, pasteur Mike Kalambay, qui acclame très fort pour la gloire de Dieu, pendant que l'homme de Dieu avance vers nous. Pas seulement que tu as vu la lumière, mais aussi que tu as entendu la voix. Que Yahweh te bénisse. Alléluia. Gloire. S'il te plaît, aide-moi à acclamer très bien le Seigneur encore une fois. La technique va vraiment nous aider à ce qu'il n'y ait pas des interruptions, s'il vous plaît. Je suis en train de dire, est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien Jésus encore une fois? J'aimerais entendre des acclamations assaisonnées de cris de joie. Voilà. Où sont nos cris de joie? Je ne les entends pas, je ne les entends pas. Je bénisse. Parce que c'est comme cela, en réalité, qu'on acclamerait le Seigneur. Acclame Jésus, acclame-le bien même. J'aimerais t'entendre bien acclamer le Seigneur. On fait une pause. Si tu es debout, reste encore debout. J'aimerais rapidement te dire quelque chose de très important. Vous savez, bien aimé, il faut faire la différence entre les applaudissements et les acclamations. Alléluia. Amen. Mmh.
Vous allez vous rappeler que les applaudissements, c'est généralement ce que nous nous donnons entre nous. Ce que nous nous donnions quand nous étions encore à l'école, rappelez-vous, moi, qui a la réponse? Moi, monsieur, moi, madame, moi. Et quand je donne la bonne réponse, on dit applaudissez pour elle, alléluia. C'est ce que nous pouvons même donner aux députés pendant leur plénière, surtout au Congo là-bas. Il fait une motion bien en rapport avec notre circonscription, on peut l'applaudir, amen. Mais à Jésus, ce n'est pas les applaudissements. À Jésus, c'est les acclamations. Et donc, regarde la différence qu'il y a entre les applaudissements et les acclamations. C'est que dans les applaudissements, il n'y a pas forcément acclamation. Mais dans les acclamations, il y a un peu d'applaudissement. Mais quand on acclame, là, ça, on ne bat seulement pas le main, mais la bouche également en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça s'appelle des clameurs, c'est-à-dire des battements de main accompagnés des clameurs. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer Jésus royalement? Si pour le voisin Jésus n'est rien, mais pour toi il est quelque chose. Est-ce que tu peux être en train de parler et dire à ton cœur ce que Dieu est pour toi? Bon, j'aimerais entendre quelqu'un qui dise à son cœur ce que Dieu est pour lui. J'aimerais entendre quelqu'un qui dit à son esprit ce que Dieu est pour lui. Oui, tu es tout pour nous ce matin. Je dis merci. Alors que nous sommes debout, j'aimerais profiter à carrément faire la lecture de la parole. Peut-être que nous y reviendrons encore pour rafraîchir un peu nos mémoires. Très rapidement, nous ouvrons notre cœur. Alors que nous sommes debout par respect pour la parole, nous ouvrons rapidement nos Bibles dans Exode. Exode, nous prendrons trois portions d'écriture. Ce ne sera pas long à ce que je sache. Nous prendrons trois portions d'écriture. La première, nous la tirons d'Exode, le chapitre 1er. Nous lirons 1, 2 et 3. Alors, au chapitre 1er, nous prenons juste le verset 22 et 19. Nous allons intervertir un peu les choses. On commence pas par 19, mais par contre, commençons par 22 pour revenir à 19. Exode, chapitre 1er, le verset 22 et ensuite 19. Vous y êtes? Nous ouvrons nos Bibles. Aujourd'hui, avec la technologie, la Bible est même dans le téléphone. Je suis étonné que quelqu'un va chercher Exode dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se passe? Regarde dans ta Bible. C'est juste le deuxième livre. Alléluia. Alléluia. Vous y êtes là? Non, j'aimerais entendre. C'est ça que nous sommes aux États-Unis. Je ne sais pas dire vous y êtes en anglais. Mais c'est comme quelque part, il y a un homme de Dieu qui l'a. Il le dit souvent, tu es quelque part, il dit, vous y êtes, un papa qui crie, oui, nous y êtes. Je pense qu'il n'y a pas de papa là parmi nous ce matin. Alléluia. Exode chapitre 1er, nous prendrons 22 et 19. Après, nous prendrons le chapitre 2, du premier verset au quatrième. Et après, nous prendrons le chapitre 3, 9 et 10. Nous commençons avec Exode 1er. 22 et 19. J'ai lu au nom de Jésus. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. We're going to throw all the firstborn in the water. 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Je prends le verset, plutôt le chapitre deuxième cette fois-ci là, du premier au quatrième verset. Et je lis encore au nom de Jésus. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de butine et de poids et il y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Alléluia. Nous prenons la toute dernière portion et 10. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, ça c'est Dieu qui parle, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Seigneur, merci pour ce moment bien que tu nous donnes. Lord, thank you for this moment.
où nous réunissons autour de ta personne et autour de ta parole. La Bible déclare que dans leur affliction, dans leur détresse, tu n'as pas fait autre chose qu'envoyer ta parole et cette dernière le guérit. Je suis très persuadé et content de savoir que ce matin, tu marques le cœur des uns et des autres au travers de cette parole. Merci de nous parler. Nous voulons entendre ta voix ce matin, comme nous le disait ton serviteur, un peu anticipativement. Que ta grâce soit notre partage en ce jour. Nous voulons annoncer cette parole avec simplicité, mais nous voulons qu'elle soit couverte de grâce et d'onction. Car elle-même est déjà toute puissante, que nous n'avons même pas besoin d'y ajouter des artifices. Mais je prie, Dieu de grâce, que tu fasses du bien à toute personne qui aura entendu de toi cette parole ce matin. Pas seulement ceux qui sont ici présents, mais ceux qui nous suivent également à travers les lignes. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ta parole, nous bénissons ton peuple. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut battre sa main, acclamer le Seigneur encore une fois, alors que nous reprenons place? Alors que nous reprenons place. Non, acclame bien Jésus. Je te disais tout à l'heure. Acclame le Seigneur. Acclame. Alléluia. Alléluia. J'aimerais avant toute chose m'acquitter d'un devoir. Celui de même un double devoir, un triple si vous voulez. To say. Le premier étant celui de dire merci au Seigneur. Finalement, cette opportunité de pouvoir nous retrouver dans sa présence et autour de sa personne, autour de sa parole. Vous savez, parler de la part du Seigneur, ce n'est pas un privilège, mais bien plus une responsabilité. Nous venons ce matin avec tremblement parce qu'il s'agit du Seigneur. It's for the Lord. Mais deuxièmement, j'aimerais dire toute ma reconnaissance à l'ange de la maison, à cet homme que j'ai appris à aimer de loin. Thank you about this man of God. Et quand je l'ai rencontré, je peux vous rassurer. The first time I met him, c'est comme si mon amour pour lui était doublé. Was like my love was big. Oh, alléluia. 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 Que Dieu bénisse son serviteur, le prophète Élisée Kabasele. Cet homme grand mâchoire, j'ai like quand même le temps de l'écouter. I like to hear. Un homme en grand mâchoire. Vous savez, cette chair, elle est sienne. Il n'était pas du tout obligé de me la céder ce matin. Quelqu'un a dit, écoutez, la chair, elle est chère en même temps. On la donne pas à n'importe qui. We cannot give to somebody. Je considère ce signe, plutôt ce geste de ce matin. Ce geste de ce matin comme un geste d'amour, mais aussi de considération. It's an act of love that we give to him. Que le Seigneur bénisse son serviteur. May God bless his servant. Ça nous va énormément droit au cœur. It's going straight my heart. Que Dieu le bénisse encore et encore. May God bless him again. Mais pour ne pas se faire de problèmes. It's not make a big deal. Parce qu'il faut éviter des problèmes. We have to avoid this problem. Quand vous venez dans la maison, vous jetez des éloges à papa et que vous ne faites pas mention des mamans, prochainement la porte elle est fermée. Yeah. If you come the first time, you just give a note to the man of God. J'aimerais bénir cette grande dame aux côtés de l'homme de Dieu. I would like to bless Mama Maria, the Bible prophet. Que Dieu te bénisse, Mama. The Lord bless you, Mama. Nous t'aimons énormément. We love you so much, et nous bénissons Dieu pour ce que vous êtes. And we bless God aux côtés de l'homme de Dieu. To be close que Dieu vous bénisse. May Lord bless you. Je bénis tous les serviteurs de Dieu, les servantes. Je sais qu'il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs, d'un peu partout. Places. Que Dieu vous bénisse. May Lord bless you. Alléluia. Amen. J'aimerais toute l'église, j'aimerais bénir toute l'église. I would like to bless our church in this place. Merci d'être là ce matin. Thank you for being this place. Parce que si vous n'étiez pas là, on ne parlerait pas au chef. If you are not here, we cannot talk about this. Que Dieu te bénisse. May Lord bless you. Ah, je crois que quelqu'un allait dire Amen. Que Dieu te bénisse. May Lord bless you. Vous savez, quand tu dis Amen, ce n'est pas pour encourager. Ce n'est pas pour encourager le prédicateur. Vous savez, quand une parole est libérée, you know what a spiritual word. Ton Amen, en fait, a quel sens, à quel Amen. À quel sens, en fait. It has not changed. Ton Amen a ce travail-là de prendre la parole libérée et la rendre effective.
Alléluia. Amen. Quand je dis que Dieu te bénisse, que when tu dis Amen, c'est comme si tu étais en train de dire qu'il en soit ainsi. You say, let's be. Je disais que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour les couples Kalonji avec mon frère Junior, qui nous a aidé d'ailleurs même à nous changer l'atmosphère. They help us to change the atmosphere. Que Dieu le bénisse, je viens également mon frère Patient. Soyez bénis. J'ai revu mon fils Espérant qu'après plusieurs temps comme ça, nous sommes à Dallas, mais partout, on se voit pour la distance. Que Dieu te bénisse. Mais j'aimerais également dire bon merci à une servante de Dieu que j'ai vue pendant il y a plusieurs années. I would like to say God for Mama. J'ai vu il y a longtemps en tout cas. We've been saying so long. La dernière fois c'était à Kinshasa. The last time was in Kinshasa. Et aux États-Unis pendant plus de 2 ans maintenant, ce que je sais. Mais j'ai l'occasion et le privilège de le rencontrer. I have this occasion to say, cette bouche par laquelle le Seigneur n'a pas arrêté de faire du bien à notre génération, bien sûr. Cette femme modèle pour plusieurs. Woman, à la personne de Maman Georgette, qui est femme, que je salue. Je te demande à ce qu'elle se tienne debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Tiens-toi s'il te plaît. Oh, servant de Dieu, soyez béni. Soyez béni. Alléluia. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous voulons partager une pensée de la part du Seigneur ce matin. Nous essaierons d'aller très vite parce que je sens dedans de moi comme si la matière était vraiment abondante. Et je prie à mon Dieu que Dieu nous donne de pouvoir dire l'essentiel. May God give us to say the good things in this place. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu nous donne de pouvoir dire l'essentiel. I would say let God give us the good things. Et j'ai un petit message ce matin. But my message this morning, que je vais intituler comme suite, I would like to tell you this, une destinée cachée. The destiny hiding. Hallelujah. Amen. Une destinée cachée. The destiny hiding. Quelqu'un dit Amen. Somebody can say Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin une destinée cachée? Can you say to your neighbor the destiny hiding? Dis-le bien une destinée. Can you say again the destiny hiding? Ici, je pense que nous connaissons très bien le parcours que nous lisons du livre d'Exode, nous connaissons tous son histoire et nous pouvons la retracer. Mais nous aimerions comme ça tirer quelques points importants dans sa marche, sinon son parcours avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ainsi dire d'entrée des jeux quelque chose de très important, ce que toute destinée se révèle au travers de parcours. Thing about our destiny, they have the word. On ne peut pas parler d'une We destinée cannot talk about destiny sans que ceci n'ait emprunté ce qu'on appelle le parcours. Without taking the word. Alléluia. Or the path. Mais ce que généralement aussi il y a une chose, c'est que generally, where we talk beaucoup about, nous nous posons toujours des questions, surtout quand nous étions encore enfants. Where we were children, we would ask qu'est-ce que je serai dans la vie? Where am I gonna be in life? Qu'est-ce que je serai demain? What am I gonna be tomorrow? Hallelujah. Hallelujah. Vous retrouverez même des enfants qui disent moi je serai docteur, children, they say, I will be moi je serai ministre, I will moi je serai pasteur. I will be a pastor. Hallelujah. Hallelujah. Et très généralement, je fais un constat encore. I make a constant, c'est que toute personne en prédisant sa destinée, il la prédit toujours de manière positive. They tell it to the positive. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire I never seen moi je serai voleur. Moi je serai une prostituée. Très généralement, nous disons, generally, nous prédisons nos destinées toujours say, de manière positive. In a positive way. Et vous savez pourquoi? But you know why? C'est parce que Dieu, en nous créant, because God, when we, is, Dieu a déposé une semence de grandeur en tout un chacun de nous. Anybody here. Oh, est-ce que je sais Amen? Can you say je voudrais dire Dieu comme un Dieu grand. Because God is a great quand God. Il nous crée, when he was created, il a déposé quelque chose en nous. He put something in us. Cette chose-là, c'est une semence de la grandeur. Seed of the grain. Cette chose-là, c'est une partie de la divinité en nous. Is the part of the parce que rappelez-vous qu'au commencement, but can you remember in the beginning, l'homme était inerte. C'était comme une statue. Like et la Bible déclare, the Bible declares, Dieu souffla dans ses narines et ce dernier devint une âme vivante. Et quand Dieu avait soufflé, c'était une partie de la divinité que Dieu avait placée en homme. Et laisse-moi te dire, cette partie de la divinité, c'est une semence
force de la grandeur. He's the set of the greatest. Tu es appelé à être grand. You will call it to be great. Mais malheureusement, but unlikely, encore un constat malheureux, then it comes to c'est que homme de Dieu, beaucoup de hommes, like many people, beaucoup de personnes naissent. They are born. Ils grandissent. They grow up. Et même meurent. They pour ne jamais voir they never see leur it. Côté grand, they leur côté de la divinité, c'est révélé dans leur vie. They will revolve in life. Oh mon Dieu, c'est pour ça que ce matin, chantons à son nom. Chantons avec les oreilles spirituelles. La grandeur en train de crier à chacun de nous ici. Je suis fatigué de rester au dedans. Je veux sortir, je veux sortir. Je prie au nom de Jésus. Et ta grandeur ne reste pas éternellement au dedans de toi. Mais qu'elle sorte. Oh, pendant que je parle, si c'est à toi que je parle, donne-moi une amen, bien. Et pendant que tu me donnes cette amen, je déclare que la grandeur de Dieu en toi, que la divinité de Dieu en toi, ne reste pas intérieure, qu'elle passe de cet état intérieur. Je déclare que ta divinité, que la destinée de Dieu en toi, parce que l'état silencieux a un état d'apache, ou même les voisins verront cela. And then everybody can see it. Hey. Est-ce que c'est amen? Can you say amen? Je dis est-ce que c'est amen? Can you say amen? Est-ce que c'est amen? In our context. Et s'il s'agit du peuple d'Israël, here we are talking about Israel people, qui s'est retrouvé en esclavage en Égypte. They be found a slave in Egypt. Tout a commencé avec leur grand-père, arrière-grand-père. Il s'appelait Joseph. His name was Joseph. Il les avait déjà précédés là-bas. He went there before them. Par ce frère, vous connaissez. He was sought by his brother. Jusqu'à devenir premier ministre. And they become the first ministry. Et plus tard, quand il y a eu famine en Israël, ils ont rejoint les leurs. They go back there. Qui étaient déjà là-bas. He was there arrivé when, là-bas, ils ont commencé à se multiplier, à devenir un peuple important, to become important people. Alléluia. Hallelujah. Ils devenaient un peuple important. They become important jusqu'à people. Ce qu'il y ait plusieurs pharaons qui se succèdent en Égypte, parce que les pharaons se succédaient. Because Pharaoh was succeeding. Mais la Bible nous demande qu'il y a eu un autre pharaon, qui est venu en son temps, we become in his time. Qui n'avait jamais connaissance de l'histoire de ce peuple. He didn't know about this. Mais tout ce qu'il a constaté, c'est que de plus en plus, ce peuple devenait grand. Il devenait important. Au point où il commençait à représenter un danger pour le peuple d'Égypte. Quelqu'un dit amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable a peur de toi. Le diable a peur de toi. Passe à cause de ce que tu es dans le présent. Mais à cause de ce que tu seras dans le futur. Ah, laisse-moi dire à quelqu'un, même le diable aussi a une idée de ce à quoi Dieu t'appelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi te dire que même le diable a une idée de ce à quoi Dieu t'appelle. Ce n'est pas pour rien que par moment tu es exposé à certains combats. C'est tout simplement à cause de la chose qui est en toi, à cause de la grandeur de ta destinée. Because the greatness of your destiny. Le diable les connaît, la connaît tellement glorieuse qu'il fait à tout prix l'arrêter. He's trying to stop everything. Mais c'est pas non. Pendant qu'il voulait l'arrêter, pendant qu'il les soumettait à des travaux difficiles, la Bible dit qu'ils ont commencé à les soumettre à des corvées. The Bible said, mais la Bible déclare, the Bible declares, plus ils étaient soumis à des corvées, plus le peuple en question devenait grand. Oh mon Dieu, je bénis Dieu pour tes souffrances. Je dis je bénis Dieu pour ce par quoi tu passes. Pour ça, nous allons les lisser dans ma tanga na yo. Nous allons les lisser yote. Nous allons prendre nos armes pour ma tanga na yo. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de bénir Dieu pour tes souffrances. Demande-moi pourquoi. Certaines souffrances ne viennent pas pour nous tuer. Certaines souffrances viennent pour révéler notre destinée dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on n'avait pas essayé de briser ce peuple, il n'allait pas devenir grand. Il lui fallut que Jésus, comme le pain de vie, soit brisé pour que l'Église existe. Before the church exists. Oh, 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 oh. Est-ce que c'est vrai ça? Il lui fallut que Jésus, comme le pain de vie, soit brisé. To be broken. Pour que l'Église, toi et moi, nous soyons là ce matin. Church, we will be here to, in this place. Si elle n'avait pas été brisée, if it was not broken, si elle n'avait pas connu la souffrance à la croix, suffering the cross, le tout est accompli n'allait pas venir.
Everything will not complete. Toi, tu veux que tout est accompli. You want everything to be complete. Mais tu ne veux pas. But you don't want la souffrance. To suffer. Compliqué. Hallelujah. Hallelujah. Si on n'avait pas souffert à la croix. If we were not suffering the cross. Philippiens 2, 9 n'allait pas exister. Et c'est pourquoi. That's why. Dieu l'a souverainement aidé. God left him. Alléluia. Alléluia. Je bénis encore Dieu pour tes souffrances. Parce que je sais une chose. Qu'après ces souffrances, il se cache une grande destinée dans la vie du Christ. Je dis, il se cache derrière ces souffrances une grande destinée pour la vie d'un homme ce matin. Mais rapidement, c'est quoi une destinée? But you know why is destiny? Parce qu'on va beaucoup parler, mais c'est quoi la destinée? You know, we're going to talk a lot about, you know what, what is destiny? Hallelujah. Hallelujah. Je suis en train de vous dire, combien to say, tout en grandissant et une pensée. How many people, when they grow up, they have not thought. Pour son avenir. For the destiny. Ça veut dire que même, généralement, nous sommes ici tous, la majeure partie, nous sommes des parents. Everybody, we are here, we are parents. Ça veut dire même quand nous envoyons nos enfants, à l'école. When we say our children to go to school. Quand nous envoyons nos enfants à l'école. When we send them to school. Nous les envoyons là-bas. We send up there pour que plus tard ils deviennent because later to become des messieurs et des grandes dames. The great person in life. Je vais vous faire rire. I would like to make you laugh to this moment. Une fois, il y a quelques jours. One day, je suis aux États-Unis il y a bientôt deux mois. I was in the United States bientôt almost two months. Je ne sais pas si vous voulez dire ou pas, mais je vais quand même le dire. I don't know if I can say, but we'd like to say. Quand je suis venu prendre les enfants. When I come to talk my children. Une fois, je passais. One time I go mon chadet qui a encore 6 ans. My little son, I have 6 il me dit, papa, qu'est-ce que tu vas faire pour moi quand j'aurai 7 ans? You ask me, what you gonna do for me when I'm 7 ans? J'étais avec mon frère junior. I was with my brother junior. J'ai voulu pleurer. I was about to cry. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? I said, what you want me to do for you? Demande-moi ce que l'enfant me demande. What? Can you ask me what he was asking me? Deux choses. Well, ask me two things. Demande-moi quoi? Can you ask la me première why? Des choses. The first thing. L'enfant m'a demandé une boucle à l'oreille. He asked me earring. La deuxième chose quand second thing demandé, he asked me. C'était mettre la teinture. Teinter ses cheveux. To dry his hair. Pour que ça soit jaune. To become yellow. Hallelujah. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur. But glory be to God. Il y a combien de jours? Il y a trois jours. There's three days. Il vient lui-même. He came by himself. Il me regarde et me dit, Daddy. He will look at me and say, Daddy. I want to be a pastor. I want to be a pastor. Hallelujah. 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 C'est une parenthèse, je ferme. Just a parenthèse, let me close. Hallelujah. Hallelujah. I want to be a pastor like you. Yeah. Let the pastor come to us. Hallelujah. Hallelujah. Une parenthèse, je ferme. Just a parenthèse, let me close. Écoute. We send them to school to become a greater person in the life. C'est bien ça. That's good. Mais ça n'a rien à voir avec la destinée. Une destinée. The destiny. C'est le plan de Dieu. Is the plan of God. Dans la vie d'un. In somebody's life. Amen. Une destinée. The destiny. C'est le programme de Dieu. Is the program of the Lord. Pour la vie d'un. For the project que j'ai formé sur vous. Made for you. Hallelujah. Hallelujah. Je vais ouvrir une parenthèse. I'd like to open a parenthèse. Ça veut quand Dieu dit je connais les projets. You know what God say, I know the ça project. Veut dire quoi? What I mean. Dieu est en parfaite relation avec notre projet. God has a perfect relation with us. Hallelujah. Hallelujah. Le terme connaître insinue they know insinue quelque chose, une notion. It doesn't mean c'est la notion de l'intimité. Pour la première fois que le verbe connaître a figuré dans la Bible, il s'agissait d'Adam et Ève. Adam connut sa foi. En d'autres termes, il entra en intimité avec elle. Et quand Dieu dit je connais, c'est le même verbe connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre le projet et son concepteur, il y a une relation étroite. J'ouvre encore, je creuse encore. I would like to dig ce qui veut dire que quand un projet traîne à s'accomplir, ce n'est pas toi le bénéficiaire qui souffre. C'est son concepteur qui est dans la souffrance. Aïe, 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 aïe. Je déclare que plus ta destinée ne s'est pas encore révélée, ce n'est pas toi qui souffres. C'est le concepteur du projet qui souffre plus que toi. Je connais. I know. Oh, je me réveille à quelqu'un. Like le diable ne connaît pas.
C'est Dieu qui connaît ce que tu seras demain. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tes adversaires ne connaissent pas, tes ennemis ne connaissent pas. C'est Dieu qui connaît ce que tu seras demain. Je déclare au nom de Jésus qu'il soit surpris de constater que cette femme qu'on savait qu'il se dit au Seigneur, demain, tomorrow sera devenu une référence. Ah, quelqu'un me donne la main. Somebody can give me a man. Donne-moi une main bien. Can you give me a good man? Oh, je dis donne-moi une main bien. I say give me a good man. Quelqu'un dit amen. Somebody can say amen. Hallelujah. 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 Mon Dieu. My God. Mon Dieu. My God. Je vous dis quelque chose d'important. I will say an important thing. Cet homme de Moïse, the man of Moses, apparemment c'était un vaurien. He looks like he's nothing. Hallelujah. C'était un vaurien. He's a nothing. C'était un peureux. He's a fear. Rappelez-vous qu'il avait fui Égypte pour Madian. You know he went from Egypt. Un vaurien pourquoi? A fear man. Ça fait que dans notre société de nos jours, you know, society, c'est une honte que d'habiter chez les parents à 40 ans. It's a shame to stay in the father's house at 40 years old. Chez les parents à 40 ans. Years old, staying in the father's house. Mais lui à 80 ans. But he was 18 years old. Pas seulement qu'il habitait, mais pas chez les parents. He was not living his father. Mais il habitait chez les beaux-parents. Was living his father's low. Quand il se réveille le matin. When he woke up in the morning. Parce que tout en maman pour kilo accident dans la couloir. The father and mother in the same place. Quelle honte. What kind of shame is this? Quel gâchis. Quelle perte. What kind of loss is this? Mais bah tout le monde a écouté un autre berk. Oh. Some people like Moses. Mais face à une mission de Dieu. But face to the mission of God. Ça m'étonne que Dieu porte les choses sur cette main. But God picked that person. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? What that means? Que Dieu le regarde de Dieu du fer de celui des hommes. God look different than people. Hallelujah. Amen. Je quand il nous regarde, when God look at us, il ne regarde pas notre apparence. He's not look at appearance. Il le regarde à ce qu'il a placé en nous. He don't look at what he put inside. En d'autres termes, il nous regarde par rapport à notre destinée. He look at about their si pour les hommes, if it's for the ça man, pouvait être un vaurien. Like mais quand Dieu me regardait, Dieu voyait un libérateur. Je dis, Dieu voyait un libérateur en Moïse. Dieu voyait un libérateur en Moïse. Dieu, quand il nous regarde, il nous regarde à la destinée. Dieu regarde au potentiel. Au potentiel qu'il a placé en nous. Je vais le dire à quelqu'un. Quand chacun de nous ici, il y a des potentiels. Je dis, il y a des potentiels. Je peux rapidement définir le potentiel en deux directions. Premièrement, c'est quoi le potentiel? Le potentiel, ce sont des capacités qui dorment encore en nous. We're still inside of us. Des capacités en attente. Des choses qui ne se sont pas encore révélées. The things not revealed. Est-ce que c'est amen? Can you say amen? Mais deuxièmement, but secondly, les potentiels, the potential, c'est aussi des choses is the things qui ne se sont pas encore accomplies dans nos vies. Les choses qui sont en nous, mais que nous n'avons pas encore vu avec nos yeux. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai appris à parler en termes de pas encore. Je suis contre toutes les personnes qui disent, ma famille n'a plus de mal à gâter. À gâter de ce matin. Il faut changer ton langage. Ne dis pas Toba la gâté. Dis ta famille la bison. Non, Toba l'été. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire pas encore? Ah, je veux que tu dises bien pas encore. On faut dire bien pas encore. Si on te pose la question, tu as déjà un jet privé. Ne dis pas jamais de ma vie. Dis pas encore. Ça ne s'est pas encore fait. Mais cependant, cela est en toi, mais seulement ça attend le temps. To be fulfilled. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la grandeur loge en ces lieux? Somebody has the grace of God in his life. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui la grandeur loge en ces lieux? Ah, je dis, me voici, dis-le bien, me voici. Say, here I am. C'est cette même personne, it's the same person, que Dieu va chercher. But God will look for. Dieu n'est pas allé faire les hommes forts. Tu n'es pas allé faire les hommes qualifiés. Si le monde te disqualifie, laisse-moi te dire que Dieu dans sa pensée, il t'avait déjà qualifié. Et quand il descend, il dit Moïse, Moïse,
parenthèse. Not a parenthèse. Il dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple. For my people. J'entendis. I hear they cry. Et moi-même, je suis descendu. And here I am now. Maintenant, réfléchissons. Well, I would think la souffrance de, du the peuple de Dieu. Of the people of God. C'est pas où? En Égypte. The, what will happen? It was happening in Egypt. J'entendis leurs cris. I heard a cry. Les cris qu'ils ont poussés où? They cry out en Égypte. They were in Egypt. Il dit, et maintenant, je suis descendu. He said, here I am. Mais ce qui m'étonne, c'est que Dieu, au lieu de descendre en Égypte, là où le peuple est en souffrance, the people were sad, Dieu va descendre ailleurs. But God come, Dieu descend à Madian. Go in a Madian. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? Why can you ask a question? Dieu était à la recherche God will look de l'homme qu'il fallait the pour une mission bien précise. But Oh mon Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu peut te sélectionner ici à Dallas pour accomplir une mission à Mandaka. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Dieu peut te sélectionner ici à Dallas pour une mission à Los Angeles. Écoutez-moi, de la même manière, on dit souvent, chaque homme a son temps. Moi, je viens te dire ce matin, chaque temps aussi. À ses hommes. Si chaque homme a son temps, chaque temps aussi à ses hommes. Et si tu es là ce matin, tu es l'homme du moment. J'ai dit, tu es la femme du moment. C'est toi que Dieu avait choisi pour ce temps. Ça, ce n'est pas le temps de Moïse. Ça, ce n'est pas le temps de Joseph. Ça, ce n'est pas le temps d'Abraham. Ça, ce n'est pas le temps de qui que ce soit. Ça, c'est l'état de Georgette Kefa. Ça, c'est l'état de Lise Kabassane. Ça, c'est l'état de Mwambouli. Ça, c'est l'état de Moussa Mibijou. Ça, c'est l'état de Kazoulou Bassia. Ainsi de suite, tu es la femme et l'homme du moment. You are the woman of this moment. You are the man of this moment. Il ne faut jamais faire l'erreur. Mais moi, je me demande, si Abraham était en ce temps, I was asking if Abraham was this time. Dans une accouffine à Covid. Maybe he died with Covid. Mais si toi tu vis encore, but if you're still alive, c'est parce que Dieu t'a jugé digne avec des, because he judge you, avec des capacités capables with all the capacity, de gérer ce qui t'arrive. Alléluia. 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 Le temps soit versé, c'est bien maquillé déjà. I was asking if in time of Abraham they were suffering for ABC. David, Salomon, have we heard about David and Salomon? If they were in this moment, maybe they would die with HIV. Salomon. Like the whole Salomon. That would never miss him. Mais si toi tu peux être encore en vie, but if you're still alive, c'est parce que Dieu te juge digne, because God judges, est capable him pour affronter les réalités de cette époque. Quelqu'un dit amen. Somebody can say, il ne faut jamais aller faire l'erreur. Don't ever make a mistake. D'aller chercher David, to go find him au temps de Moïse. In the time of Moses. Tu sais pourquoi? Do you know why? Parce qu'au temps de Moïse, au temps de David, time, il n'y avait pas de mer rouge à séparer. They were not raised, il n'y avait que des Goliaths à faire tomber. To fall. Et si Dieu t'a jugé bon d'être encore vivant en ce moment, c'est parce que tu as une mission, mission qu'il veut accomplir au travers de toi. Et si c'est toi, c'est David de ta famille, je veux que tu te lèves et que tu me donnes un amen. Je vais entendre les amens et les estères de leur famille en ce lieu ce matin. Tu es l'homme du moment. You are the man. Et c'est toi que Dieu a choisi. And as you got a c'est toi que Dieu a choisi. And as you got a tu ne mourras pas. You are not. J'ai dit tu ne mourras pas. Sans que le programme de Dieu ait vu les jours dans ta vie. God be fulfilling your life. Hey, mon Dieu. Oh my God. C'est quel enfant ça? Avant de naître, before, il y a déjà une loi qui les condamne. Pharaon avait déjà signé un décret. Il dit, vous tuerez tous les enfants mâles, mais vous laisserez vivre seulement les garçons. À ce moment-là déjà, mais parce qu'il va signer déjà des clés pour sa mort. Mais ce qui m'étonne, c'est que tous les enfants mâles pouvaient mourir, mais sauf l'enfant Moïse. Ah mon Dieu, je déclare au nom de Jésus, Covid va ravager. Ça va même aller à la phase 20, même si nous sommes phase 3. Ça va aller jusqu'à la phase 20. Ça ne t'atteindra pas.
Au nom de Jésus. In the name of Jesus. You were born by the order to kill them. Mon Dieu. Oh my God. Je sais pas qui ont médité ta mort. I don't know who they were. Qui ont médité la mort de tes business. Those people that were like your business. Je sais pas qui ont prédit des choses contraires à ta vie. The people that said the bad things of their life. La bonne nouvelle. The good thing. Nous l'avons de la bouche des sages femmes. We have in the. Ils viennent dire à Pharaon. They come to tell Pharaoh. Écoute papa Pharaon. Listen, Father Pharaoh. Hey. J'ai un message. I have a message. Contraire au tien. They came to. C'est que that. Les femmes. The woman. Des Hébreux. All the Hebrew ne sont pas comme les femmes égyptiennes. They are not like ah mon Dieu. Oh my God. Est-ce que tout le monde se comprend ma cambo? Somebody understand what I'm saying? On dira de toi. They will say les femmes the woman, de Dallas the ne sont pas comme les femmes. They are like the woman de Kinshasa. On dira de toi. Cet homme-là. Ce que vous ne savez pas. C'est qu'il n'est pas comme tous les autres. It's not like all the men. Ah, j'ai compris. Now, I understand. De la bouche de sages femmes. Qu'on peut être une femme, mais pour ne pas ressembler à l'autre femme. On peut être un homme. You might be a man, mais pour ne pas être comme tous les hommes. But not to be like all the men. Adaptez-le sur votre tête, faut arrêter d'être ordinaire. Now start to be ordinary. Tu ne peux pas vivre dans un monde ordinaire et espérer le vaincre. Si toi-même tu es ordinaire, faut que tu deviennes extraordinaire. Est-ce que je parle à des femmes extraordinaires ce matin? Est-ce que je parle aux hommes extraordinaires ce matin? Arrête d'être naturel, il faut que tu deviennes surnaturel. Au point même dans ta famille, quand on va me dire, parce que ça va être la matière. Parce que ça va être un homme qui est là, qui est là. La différence, c'est que moi je suis un homme, mais pas comme tous les hommes. Tu peux être une femme. You might be a woman, but not like all the women. Que Dieu te donne la distinction. Pray God make a difference. Que Dieu te distingue des autres femmes. May God make a difference. Je dis que Dieu te distingue des autres femmes. Ne sois pas comme les femmes de Dallas qui pleurnichent. Ne sois pas comme les femmes de Dallas qui sont en train de sombrer. Ah non, 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 faut pas sombrer, faut pas sombrer. Il faut aller de la fin. Va, 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 va. Est-ce que quelqu'un peut toucher la maison? On va venir. Je suis pas comme tous les hommes. Tu n'es pas comme tous les hommes. Say you're not like everybody. La cravate noire rose. Vous avez fait moi comme tous les hommes. Comme moi, you. You cannot be like everybody. La banengo ya you. The way you laugh. On s'en rend pas si tu es comme toutes les femmes. Does not hurt you if you are like all the women. Les femmes commencent à décrire. The women start saying. Ils disent des choses qui retiennent mon attention. They said a thing that la première, my attention. C'est qu'elles sont vigoureuses. They are strong. Quand on parle de la vigueur, when we talk about on se entend strength, parler de la puissance. We hear about the power. Que Dieu te donne d'être vigoureuse. May God que Dieu te donne d'être power. Puissant devant les ennemis de ta vie, devant les ennemis de ta destinée. Mais deuxièmement, elles accouchent. Avant l'arrivée des sages-femmes qui sont censées détruire les enfants. Oh my God. Je déclare declare, que Dieu te donne la force d'accoucher ta destinée to give avant l'arrivée de ceux qui la détruisent. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as quelque chose, you have mais que Dieu te donne de les matérialiser en chemin. Que Dieu surprenne tes ennemis partout. Ah, si tu ne crois pas, je vais changer de camp. Je t'entends de dire. Que Dieu te donne la force et la vigueur de défoncer les manigances de tes ennemis. Quand mon pensée n'a pas épée, n'a pas mêlée, parce qu'il y a un retard. La petite que Dieu avait déjà fait. Que nous avons fait everything. Mon Dieu. My God. Regardez la preuve. Look at the proof. Ce qu'on dépose l'enfant dans les roseaux. They pour the child in the flame. Sur les fleurs Nil. In the water. Si cet enfant qui a échappé, if the child was escaped, à la loi de Pharaon, in the Pharaoh law, qui a échappé à la mort des mains de sage-femme, he was escaped to those. Pouvait-il tenir devant les serpents, les crocodiles, stand against the snake or the crocodile, et le ngoubou, and all the big snakes, les requins, and all the sharks? Comment le ngoubou mourra avant d'un amas enfermé? Un amas à calam où testait les fleuves Nil. That was not a river of Kalam. Oui, mais on a fleuve.
Alléluia. Amen. Pensait qu'il ne savait pas. But what did he know? Que l'enfant ne pouvait pas périr. The child cannot die. Parce que because il jouissait de la prise en charge de quelqu'un. God was taking care of him. Je prie. Que tu jouisses de la prise en charge de Dieu. Let me take care of God. Ah, je dis que tu jouisses de la prise en charge de Dieu. Let me take care of God. Je veux dire que tu jouisses de la prise en charge de Dieu. What's gonna happen? Elle observait en fait. He was looking, so. J'aimerais dire à quelqu'un rapidement que nous avons deux catégories d'observateurs dans la vie. I would like to say we have two categories. La première catégorie des observateurs, the first category, c'est ceux qui nous observent. The people that look at us. Méditant que le mal nous arrive. They're waiting something bad happens to us. Total. We don't know. Total. We don't know. The way I'm seeing him. Like he is. 3 years old. 3 years so far. Il est au monde. We see. Canada là. Just now. A tout l'heure, tu peux dire 20 ans. You can ask him when he's 20 years old. Tu as Elisa tout n'a quitté. Elijah. Parce que l'église est banane. We just ask that the church can start like this. A tout n'a biso. We need to ask. On a l'église. We start church. Tu veux quand même quand passer des réunions, la communauté. You just quand passer des réunions, communauté. Meeting place for community. Avant que tu quand même tu vas aller à famille. Before we can close, we just cry. Ya papa, maman, na ban. Just for father and mother. À tout n'abîso. We would like to. Pour y briser. We explain to you. Ça c'est la première catégorie. That's the first category. Les observateurs. La deuxième catégorie des observateurs. The second thing. C'est ceux qui nous observent. The people looking. Mais ils sont incapables de prédire sur notre vie. They are unable to say something. Ils sont incapables. They are unable. De pronostiquer sur notre vie. To say something. Alors ils ne savent pas. In other meaning, they don't know. Ce qui va nous arriver. What can happen? Mais dans l'autre temps. But why? Le panier était en train de naviguer. The basket was gone. Le panier naviguait. The basket was gone. Ah, ça me rappelle le panier qui circule encore. Amen. Sois béni, maman. Le panier était en train de naviguer. The basket was mais gone. Il était là. But elle ne savait there. Pas ce qui allait arriver. What can I have? Oh mon Dieu. Oh my God. Le problème n'est pas the problem là où je vais. Where I'm going. Le problème dans la vie but the problem in life n'est pas au niveau de là où tu vas. It's not where you're going. Mon temps tout le monde va questionner. Aux autres de moi. Mais puis ça n'est pas tout bon. N'a pas seulement posé la question de là où je vais. Demandez-moi avec qui je vais. Ask me where I'm going with. Oh mon Dieu! Oh my God! Écoute-moi! Listen tu peux être en train d'aller, je ne sais pas moi! Même if si tu allais au ciel! Heaven, mais si tu n'es pas avec Dieu! Tu vas t'arrêter d'aller seul! You will stop in the oh non, le moins qu'il y a sur les États-Unis! Mais ce qu'on a dit, you go with God! Non, comment on va à Chicago? And then we say you are in Chicago! Je refuse! They say you back! Ma visa! I got my visa! Alléluia! Malgré visa, refus! Le problème n'est pas the problem is not de savoir où je vais. Where I'm going. Mais avec qui je vais. Where am I going cet enfant qui était en train d'aller. That children will le fait qu'il vienne à atterrir. Demande-moi pourquoi. Ask me why. Parce qu'il a fait la prise en charge. Because God will take de celui qui s'appelle le premier et le dernier. The first l'enfant n'était pas avec n'importe qui. Cet enfant n'était pas avec ses parents. Il n'était pas avec sa maman. Il n'était pas avec son papa. L'enfant était seul. L'enfant était seul. Mais il était avec celui qui est plus que la maman et le papa. Si tu es avec celui qui est plus que la maman et la papa et le papa, quel que soit là où tu vas atterrir, tu vas jouer de la prise en charge de Dieu. Mais ça n'a pas tout comme en Amérique. Mais ça n'a pas papa. Ils sont devenus quelque chose. Le problème n'est pas là où je vais, mais avec qui je vais. Il s'appelle le premier et le dernier. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Autant de moyens bien. Il s'appelle le premier et le dernier. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. C'est-à-dire quand il commence avec toi, il connaît déjà la fin. Tu vois la différence avec lui. Il marche avec toi, mais il avait déjà planifié la fin. Tu ne finiras pas mal parce que tu es avec l'Alpha et l'Oméga. Mais quand on dit l'Alpha et l'Oméga, on ne se sent pas dire. Les A et Z. Tu as proposé les A et
et les êtres. C'est A et Z. Dis à ton voisin A et Z. C'est vrai que c'est le seul Dieu qui existe dans ce monde. Qui a des noms qui correspondent à toutes les lettres de l'alphabet français. Vous savez ça. Il est A comme Alpha. Il est B comme le berger. Il est C comme le Christ. Il est D comme Dieu. Il est E comme Emmanuel. Il est F comme fidèle. Il est G comme qui? Comme qui? Il est G comme God. Il est H comme le quatrième homme de la fournaise ardente. Il est I comme l'immortel. Il est J comme Jésus. Il est M comme la main cachée. Il est N comme Narcisse de Saron. Il est L comme le lys de la vallée. Il est O comme omnipotent. Il est P comme papa. Il est Q comme le quatrième homme de la fournaise ardente. Il est U comme unique. Il est T comme le témoin. Il est R comme le roi des rois. Mon Dieu, il est Congo. Donne-moi. Il est X comme xérophile. Oh mon Dieu. Il est W comme Watch of Life. Il est Y comme Yahweh. Il est aussi Z. Comme Zengamambo. Zambo Simba yo. Mon petit Zambo Simba yo. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. David said, I lift my hand. D'où viendra le secours? Pour ta destinée, tu as besoin du secours de Dieu. Je disais tout à l'heure, le problème n'est pas au niveau d'où tu vas, mais avec qui tu y vas. The problem is not where you are, but where you're going. Que Dieu te soutienne. May God give a hand. Je lève mes yeux. Chante avec moi. Can you sing with me? Vers le monde. Élève ta voix, s'il te plaît. On chante pas au micro. Can you lift your voice? D'où me viendra? We cannot sing. Je me raconte, chante avec tout le monde, chante dans le micro. Ma force est, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, mon bouclier. C'est toi, ma forteresse, encore une fois, ma forteresse. Ma forteresse, c'est toi. Mon bouclier, c'est toi. Que ta puissance, que ta puissance descende sur moi. Oh, oh, mon son divine. Oh. Encore une fois, je lève mes yeux tous ensemble. Je lève mes yeux.